Ils sont entre dessinateurs, faut les laisser. Années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons d'inspiration, quelles sont vos influences ? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Mon beau-frère Charles Ch'ti, il est en tête de nous, puis c'est tout. Hein. Une grosse rechute. Maman ! Oh, je suis content de te dire, hein ! Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, Boubourge, qui parle pas normalement ? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là, comme lapin. Lopin. Un lopin ? Hein ? On va commencer plus simplement, hein. Qu'est-ce que c'est ? Un lopin ? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Non, vre. 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 Une taube. Là. Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qu'il veut. Vous allez répéter après moi. A-E-I-O-U. O-O et A-O. Non. Il n'est en possession que de deux voyelles, là. I et O. Ça va être compliqué, là, pour lui de s'exprimer. Bonjour, Tertouche. Maman. Oh ! T'as bien dormi, m'tu biloute. Quelle belle image, Charles Raffi chez Auchemer. Ah, c'est pas le seul patient à traiter ? Non. Mais, c'est pas l'urgence.